Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau service. J'ai une dame dernièrement qui voulait m'acheter un de mes albums, mais il était déjà vendu. Alors, elle m'a demandé, serait-ce possible pour vous de bâtir l'album avec les interactions, me l'envoyer, et puis moi, avec mon papier design, je pourrais compléter et puis le placer, tout simplement mater toutes les surfaces, les pages. Alors, je dis, ben, absolument. J'ai déjà vu ça, je crois que Boza Kelly l'a fait, je crois qu'il y a d'autres personnes aussi qui font des bases d'albums. Alors, vous choisissez l'album que vous voulez et vous choisissez les interactions, vous choisissez le format et je vous fais l'album. Et tout ce qui vous reste à faire, c'est de mater avec votre collection de papier que vous préférez. Alors, à ce moment-là, vous avez des frais qui sont beaucoup moins importants. Le frais de poste devrait être à peu près la même chose parce que juste ajouter des papiers, alors si ça dépasse ça d'épaisseur et puis que c'est pas une énorme boîte, alors c'est un frais tout simplement de petits paquets. Alors que ce soit maté ou pas, c'est le même frais de frais de port. Mais pour ce qui est du coût de l'album, alors là, on vient de diminuer d'environ le tiers. Alors, juste pour vous montrer un exemple rapide, alors ici, vous voyez, j'ai fait une filière. Alors, vu qu'on doit mater la portion, quand on a une filière à différents niveaux, on doit mater le fond ici. Alors, je ne l'ai pas collé, mais la dame va le coller elle-même. Je vais lui indiquer ici comment où mettre la colle. Et puis, j'ai déjà fait les rabats derrière pour mettre la carte. Il y a déjà les... J'ai fait des doublures de pages. Alors, les cartes sont toujours incluses, à moins que vous voulez ajouter des cartes vous-même pour vos photos. Mais ce qui vient avec les interactions est déjà inclus. Vous avez les aimants déjà qui sont là. Ici, on a un cahier rotatif comme ceci. Et puis, bon, on peut ajouter ses photos. On a des demi-pages avec... la carte est incluse à l'intérieur. Il vous reste qu'à faire... comme ici, on doit enlever les petits brads parce que c'est le pivot du cahier rotatif. Alors, j'indique aussi, je vous fais une vidéo. Alors, quand vous achetez aussi un album préfabriqué, vous avez avec ça une vidéo particulière juste à vous pour comment finir le projet. Alors, toutes les instructions, ce que vous pouvez faire sur chaque page. Ici, il y a les pages avec l'image, soit l'image interrompue ou plusieurs. Il y a les aimants, les rabats. Ici, on a des cartes avec des rabats. Ici, on a la page enveloppe. Alors, elle est toute bâtie, tout ce qui reste à faire. Et même que ici, vu qu'il y a des, vous savez, des petites rondelles avec les brads. Alors, moi, je fournis déjà les rondelles, mais il faut que vous me disiez quelle couleur vous voulez avoir les brads, s'il y a des brads. Alors, ici, moi, j'ai inclus une couleur ici pour la dame. Des petits aimants. Alors, quand c'est nécessaire, des petits ou des grands. Alors, tout est prêt ici. On a ici les pages comme ceci, une autre page comme ceci. On a la cascade. Et vous avez des rabats comme ceci. Puis je vous indique toutes les possibilités que vous avez. Où est-ce que vous pouvez ajouter, si vous voulez ajouter des pochettes, dépendamment de l'espace qu'il y a dans les goussets alloués. Et là, vous pouvez ajouter soit des photos, des cartes, dépendamment des aimants où ils sont positionnés. Je vous indique tout ce que vous devez savoir. Alors, il vous reste à mettre votre ruban, mater, tout ça. Si vous voulez avoir avec du tissu ici, à ce moment-là, il faut me le dire. Parce que, de toute façon, moi, je vais vous poser des questions. Parce que je dois laisser ouvert ici. Alors, je dois laisser une ouverture pour que le tissu se rabatte. Ou ce que je peux faire, c'est que je peux laisser tout simplement l'album un peu plus large. Vous allez rabattre un petit peu le tissu ici. Vous posez un petit ruban ou quelque chose. Mais idéalement, en papier, c'est plus facile parce que je peux tout le terminer. Sinon, bon, on doit, avant de poser les pages, est-ce qu'on laisse l'espace, etc. C'est un petit peu plus difficile. Alors, bon. Alors voilà, c'est un produit que je vous propose. C'est pas nécessairement celui-ci. C'est quel que soit l'album que vous désirez. Et puis, je vous dis le prix dépendamment de la grosseur, la forme, des interactions et des complications qu'il y a à l'intérieur. Et puis, tout simplement, et puis on s'arrange pour la poste. Alors, écrivez-moi si c'est quelque chose que vous aimez. Vous mettez toujours en lien la vidéo qui présente l'album que vous voulez reproduire. S'il y a des différences, vous me faites la liste. S'il y a des préférences d'interaction, vous me faites la liste. Vous me dites quelle couleur de papier de base. Est-ce que vous allez l'avoir en tissu ou en papier sur le côté? En tissu, probablement, ce que je ferais, la seule façon que je pourrais le faire, c'est que si vous avez un tissu qui est vraiment fini ici, vous pouvez poser un ruban tout le tour si vous voulez, mais il ne serait pas rabattu. Parce qu'on doit vraiment poser le tissu avant de mettre les pages et mettre ce papier ici. Alors, ce serait impossible de le faire. Alors, à ce moment-là, il faut prévoir que le tissu va être arrêté ici. Alors, ça peut être un morceau de jute, hein, effiloché, et puis vous le collez, et puis voilà, c'est posé. Puis avec des décorations, etc. Faut que vous me disiez si vous voulez avoir un rabat par-dessus ou juste un ruban vous allez mettre, etc. Toutes ces questions. Alors, j'attends vos commandes dès que vous voulez. Et puis, ça me fait un grand plaisir à faire. Et puis, comme je vous dis, vous avez la vidéo qui est incluse dans le prix de l'album. Vous avez la vidéo explicative qui dit toutes les instructions comment terminer votre album.
Alors voilà, vous m'écrivez un mail et puis mettez le lien de la vidéo et puis je vous réponds aussitôt que possible. Et c'est assez rapide à faire, alors vous n'attendez pas tellement longtemps pour recevoir votre produit. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.